C'est la journée, c'est la journée que le Seigneur a faite, que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Frères et sœurs de l'Église Baptiste Adonai, chers amis de partout, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous saluons fraternellement soyez dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous disons bienvenue à un programme de méditation que nous présentons chaque lundi dans l'heure ça, de concert avec l'Église Baptiste Adonai. Comme petit programme l'a indiqué, la soirée donc nous va méditer son passage de la parole de Dieu, pour rappeler nous certaines vérités de base que nous connaissons comme chrétiens et pour affirmer foi nous. Et soit suivez-nous depuis plusieurs semaines, vous connaissez que pendant un petit temps, nous avons pu concentrer nous sur l'évangile de Jean. Mais avant de arriver là, nous avons rappelé aux chers amis que bon Dieu remet, qu'il continue à faire plan pour nous-mêmes chaque jour. Il est tellement remet nous que Jean-Paul expliquait dans Romains chapitre 5, verset 8, les bâilles petites de Jésus-Christ pour nous-mêmes. Paul continue dans le même passage là pour le dire. À peine le monde a accepté pour le bâille vili pour le monde de bien. Et bon Dieu pouvait amouler envers nous parce que nous-mêmes, pécheurs, coupables, injustes, les bâilles petites de Jésus-Christ pour racheter nous, pour nous la vie éternelle. Et comme on se dit là, il continue à faire plan pour nous-mêmes. Des plans de paix, j'en ai dit à peuple de Judas, c'est vrai, peuple n'a pas son tracas, peuple a été notre tracas déjà, il n'a pas le bon petit temps là-dedans, mais ce n'est pas un tracas sans fin, ni ce n'est pas un tracas qui a pris une fin tragédique. Bon Dieu dit, il y a un plan pour même après les années de captivité. Et je vous dis à nous connaître, et ça encore sous base, il y a une déclaration de Dieu par le prophète Isaïe, que non nous écrit sous plate main, bon Dieu. Non, petit lieu écrit sous plate main. Vous avez dit, moi-même qui l'a, ou même qui l'a, qui gagne, bon Dieu, malgré nous qui n'avons pas gagné contact avec les soi-disant grands de la terre, non, non, écrit dans le livre de vie et sous main, bon Dieu. Chaque fois que bon Dieu, ouais, non, non, bien, il pensait à problème, non, à souffrance, non, il pensait à nous-mêmes, il pensait à marche spirituelle, non, et il revoit plein que le gain pour nous-mêmes. Ça fait à soi, nous prier que le programme, s'il est capable,
une source de bénédiction pour nous tous. Nous-mêmes qui connaissons bon Dieu déjà, que le programme a aidé nous à raffermir nos relations avec lui-même, pour nous gagner des relations supérieures à ça que nous avons avant tant ça. Et pour même qui ne connaissent pas bon Dieu, ou bien qui ont différentes causes, que le programme a conduit vers Jésus-Christ pour gagner la vie éternelle, la paix. Et comme Paul dit nous, dans Romains 5, on est capable de justifier par la foi parce qu'on vient faire la paix avec Dieu le Père. On nous baisse tête nous pour nous prier. Ô éternel, bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, nous posterner devant Assoya pour notre temps de méditation du lundi soir. On est avec nous-mêmes dans la fin de semaine là, on permet que nous vaquer en pile activité, que nous suivons en pile programme dans l'église non, sur radio, sur Facebook, sur l'autre programme, sur l'autre canal. Télévision, etc. Et à ce bon privilège pour que nous sommes capables de concentrer nous sur parole ou pour un temps de réflexion avant que nous dormions. Parle à cœur, nous, Seigneur, permette que nous sommes capables de dire, même avec le jeune Samuel, parle, Seigneur, parce ce que serviteur a coûté. Écoutez, prions-nous à ce Seigneur, exaucez-le pour nous du rôle du ciel là, nous adresser là où même, dans le nom, petit au Jésus-Christ, sauveur nous, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, chers amis, nous voulons dire un grand merci. Merci pour l'attention qu'on prête à nous-mêmes, et plusieurs fois par semaine, et particulièrement à soi. Et merci tout parce que vous partagez la vie là avec vos amis, vos parents, vos compagnons de travail, et vous abonnez déjà. Si vous abonnez, vous faites la soi. Et si vous déjà fait, vous encouragez l'autre monde pour faire, pour que le programme soit capable d'étendre, capable de gagner l'autre accès. Et au niveau d'horaire, nous avons l'autre programme et que nous sommes capables de faire de notre mieux pour aider le plus de gens possible. Ou même tout, on fait ça lorsqu'on encourage les abonnés, aider le plus de gens possible à comprendre bon Dieu, à comprendre plein libre pour eux-mêmes et pour le monde. Donc, nous allons ouvrir la Bible pour nous faire lecture. Nous espérons qu'on prend tant ça, amis, pour les mon silence se dit là, voisins, compagnons de travail, amis, parents. Pour Dieu, à soir, c'est le jour pour vous prêter attention à programme l'Église Baptiste Adonai, Docteur Valsin. Nous avons vu Bible dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6, nous allons lire quelques versets. Nous avons lu à partir du verset 1er qui dit « Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec les disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus leur dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disait, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, Jésus se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. À part ça, ici là, que nous sommes là, d'aimer ajouter, verset 68, de même Jean 6 là, côté nous lire, Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? » Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen.
Quel passage! Nous pourrons aller méditer sur le passage là dans très peu de temps. Mais avant de faire ça, nous attendons un chant. Et toi, en temps de chanter, prends le téléphone pour les longs amis. Chancy là, c'est une monitrice de l'école du dimanche dans l'église. Nous, une sœur très zélée, très capable. Capable de chanter pour nous, c'est sœur Nathalie Paul, accompagnée de maestro Billy Jonka. Nous attendons sœur Nathalie dans un chant spécial que les gains pour nous, pour programme nous à soir. Si posé, bon Dieu, t'es cherché dans le ciel, malgré le prière, ben laissez-le pas si loin. Si posé, libre, les anges dans le ciel, pour vivre où était, cloutable tout le monde. Oh, si c'est pas bon, y'en place, y'aurait les mônes calvaires. Si c'est pas des sous pieds bois la croix. Si c'est pas bon, nomme ça, y'aurait les Jésus. Et pour toujours, moi-même à coup t'as perdu. Si posé, bon Dieu, t'es cherché dans le ciel. Li pa te joigne, personne qui te vle. Les mondes qu'elle fait, si c'est pas terre, sous pied bois la croix. Si c'est pas tout, nomme ça, y aurait le Jésus. Et pour toujours, moi-même à coup perdu. Pas pour yon place, y'aurait le monde qu'a fait. Si c'est pas terre, sous pied bois la croix. Si c'est pas pour nom ça, y'aurait le Jésus. Et pour toujours, moi-même à coup nous disons encore une fois un grand merci à Sœur Nathalie Paul qui chantait pour nous-mêmes un chant de très grande signification. C'est pas pour nous, c'est la religieuse, c'est pas pour Bois Calvaire, ça. Eh bien, ou même avec moi-même, nous tapons des gens perdus. Soit il y a un monde qui a écouté nos soeurs qui toujours des gens perdus. Que bon Dieu permette donc à l'audition de Chancela, étant absu programme, qu'on va prendre une décision concernant vie ou, et particulièrement en relation avec bon Dieu. Chers amis, la Bible, et particulièrement les évangiles, montrent-nous, dit-nous que Jésus-Christ est multiplié pain deux fois. C'est ça qui fait nous parler de deux multiplications de pain. Que Jésus-Christ est fait. Deuxième nom, les rapportés seulement par Matthieu et Marc, et différence entre deuxième et première là que nous allons parler de hier soir, c'est que dans deuxième nom, c'est 4000 monde que Jésus-Christ est nourri, alors que dans première là, c'était 5000 monde, sans compter les femmes et les enfants.
Multiplication de pain si là, eh bien, Jean décrit-les avec certains détails que seulement lui-même libère. On nous dit que d'abord, ce miracle-là, il est très important parce qu'il concernait le pain. Il montrait nous tout comment bon Dieu est intéressé à notre besoin de pain. On va oublier que dans la prière que nous relayons aux raisons dominicales, le Notre Père de Jésus, que nous réciter souvent l'église chaque dimanche, dans toute réunion que nous faisons, et dans la réunion de prière à la maison, Jésus-Christ a pour nous, dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain est extrêmement important, et comme un psychologue Maslow dit, psychologue américain Maslow, eh bien, c'est après satisfaction de pain, nous, de logement, nous, que nous avons intéressé à dignité, nous, à parfum, et à toute l'autre brèche, un pauvre haïtien dit qu'on vend chat plein, eh bien, derrière de vie en mer. Il n'est pas intéressé à pain encore. On va saisir pour découvrir que plusieurs milliers d'années après que Jésus-Christ opéré miracle là, le besoin de pain était dans leur vie là, il y en a plus gros besoin de l'homme. Des milliers de gens, peut-être des millions de gens, à passer des jours sans rien prendre. À cause, je dis, non pas parce que la terre n'a pas de ressources, mais parce que il y a un pile en nous qui gourmand et que nous n'avons pas bien assez de justice sociale pour nous penser à cela qui n'est pas capable. Jésus-Christ, donc, c'est le Dieu qui s'intéresse à l'intégralité de la nature de l'homme. C'est un Dieu qui connaît que nous ne pas vivre seulement de pain, mais nous vivons de pain. Il connaît que nos besoins ciel-là, nos besoins de relation intime avec lui-même pour aller jouir de bonheur à côté de papal. Mais il connaît qu'avant de nous arriver là, il faut nous vivre avec certains besoins matériels, certains besoins physiques. Et le besoin le plus important de nous tous, c'est pour nous venir manger. Et bon Dieu est intéressé à lui-même. Il n'est pas intéressé à un miracle. Seulement pour faire miracle, parce que ça qui intéresse bon Dieu, c'est gloire lui. Mais bon Dieu est intéressé à nos problèmes matériels. Mais étant là, intéressé à problèmes matériels, nous, de temps en temps, nous avons kiff, côté foi nouillé, côté mémoire nouillé, compte tenu de plusieurs interventions que le fait dans la ville. Par exemple, l'Allemand de Philippe, quand on a joué une pain pour tout le monde, si là, il t'attend probablement que Philippe dit Seigneur, ou qu'a fait tout le bagage, donc on aurait ça au fait déjà. Ou traverser la mer avec nous, mais on fait ceci, on fait cela. Mais c'est parce qu'on vient la caille Philippe. Philippe presque semblait dire, Seigneur, nous devons une situation impossible. Donc, c'est ça. Là, Jésus qui font miracle. Il va t'avouer qu'on mange pain seulement, mais quoi prendre avec qui on doit traiter de telle manière que lorsque il y a un autre problème, qui peut être plus facile qu'on a besoin de pain, on va songer que celui qui t'a fait gros bail ça pour même, qui peut le plus, peut le moins. André, qui est frère de Pierre, font un petit pain en plus, il dit, selon verset 9, nous sommes là, mais un petit garçon là, qui a 5 pains et 2 poissons, mais même le hal qui a ajouté, mais qui ça, ça a fait pour tant de gens. Tous deux disciples, là, tous deux apôtres, là, pensaient que la situation est impossible, malgré que, ouais, l'autre bagaille que Jésus-Christ fait déjà. Souvent, mes chers amis, nous devant des situations comme ça, soit par manque de mémoire, ou bien soit parce que nous devant vraiment des goulots d'étranglement, nous pensons que toute bagaille est possible, impossible, c'est-à-dire pas grand rien nous capable de faire. Mais Bible a dit pour me dire, à soi, bon Dieu dit pour me dire, rien n'est impossible à Dieu, selon Luc 1er, verset 37, et tout est possible à celui qui croit, Marc 9, verset 23. Tout dernièrement, nous avons parlé de la foi dans l'examen, nous avons distingué foi cela. La foi que nous avons besoin de vivre chaque jour, de la foi qui sauve. Et foi nous avons besoin, c'est quoi que bon Dieu qui a fait toute bagarre et que l'ivre est venu à secours nous. Songez, ça le fait hier dans le passé dans la vie, pour qu'on soit capable d'affronter les problèmes d'aujourd'hui et les défis de demain. Alors, deuxième phase pour le passé, Jésus-Christ fait tout le monde chita, l'imande au pour chita par groupe, sous Ziabla, il fait orange par 100, par 50. Et puis, la poêle pose un acte extrêmement important. La poêle fait un bagage. La poêle adopte une attitude. La poêle fait un mouvement que vous avez
Nous avons fait devant les problèmes de la vie. C'est ce verset 11 qui dit nous, il prend pain yo, et il levait au vers le ciel et puis il rend grâce. Lever les yeux vers le ciel. Mais détail qui est extrêmement important dans la parabole là, mais démarche que nous avons fait, mais démarche que l'homme contemporain raillit. Parce que l'homme contemporain pensait qu'il a créé Dieu, qu'il a créé la ville, qu'il a fait toute bagaille. L'apôtre Jacques Paul dit Pita, dans Jacques 1er verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait. Il sorti en haut. Tout le bagaille qu'on gagne sur la terre, c'est à cause de permission que bon Dieu ben nous, à cause de grâce, mon Dieu, qui fait soleil y lever sur les bons et sur les méchants. Mais une pile bénédiction que nous raté parce que nous refusé. Lever les yeux vers le ciel pour nous prier, mon Dieu, pour nous établir contact avec lui-même, ou bien resserrer le lien qui existe entre nous et lui-même, et montrer que nous voulons dépendre de lui pour la vie. Nous, bon Dieu, aimer que nous dépendons de lui-même, parce que tout ça qu'il le fait sur la terre, c'est pour la gloire de Dieu. Paul dit ça d'ailleurs dans la morale que l'a pensée, et dans 1 Corinthiens 10, 31, quel que soit ça n'a fait, que c'est manger, que c'est boire, tout pour la gloire de Dieu. Alors, Jésus-Christ, non seulement multiplier le pain pour tout le monde capable de manger, et donc à imaginer que 5000 hommes dans une société, ancienne, sans compter les femmes et les enfants, c'est un groupe de monde qui probablement est gagnant entre 20 et 30 000. Tout le monde manger et gagner 12 paniers qui étaient. Voilà, je dis, les bon Dieu, il baille en abondance, c'est pour un bon Dieu qui a beau petit bagaille, et pour que vous marchez comme si vous toujours été pauvre. Non, non, non. Le Dieu du ciel, c'est le Dieu de l'abondance, le Dieu de la toute-puissance. Et ce pain qui symbole de manger, c'est symbole de tout notre besoin. Nous gagnons problème maladie, problème caille que nous avons besoin, problème marché que nous avons besoin, problème matériel en général, malgré que la vie matérielle, ce n'est pas lui-même qui est l'entièreté des préoccupations de Dieu pour nous-mêmes. Mais bon Dieu qui crée nous, qui place nous sur la terre, l'intéressé à nos besoins matériels. Alors, mon silla, au lieu de finir le pain, là, finalement, avec 15 ans, Jésus-Christ multiplié pain, eh bien, il a cherché le demain. Selon verset 23, verset 24, il dit, il a cherché Jésus-Christ à gauche et à droite, mais il va chercher pour l'adorer, il va chercher pour la glorifier, puis à exprimer reconnaissance à lui-même, pour ça, il s'est fait hier pour lui-même. Il peut venir entendre des paroles, lui, même Jean-Marie était fait dans le passé. Mais il a cherché pour l'autre pain. Il a besoin de mettre le roi pour que le besoin physique soit seulement capable de satisfaire. Et c'est là que Jésus-Christ va dire en parole, mais bien aimé que vous avez dû prêter un peu l'attention à lui-même. Jésus-Christ dit, selon verset 26 et 27, n'a pas cherché parce que nous mangeons pain. Travaillez pour la nourriture. Non pas pour la nourriture qui a péri, mais pour celle qui va subsister jusque dans la vie éternelle. C'est-à-dire la santé, la résidence, manger pour nous manger, côté pour nous rester, travail pour nous faire. Tout le bagage est important. Il faut nous travailler pour nous-mêmes, il faut nous chercher. Mais lorsque nous cherchons au détriment de nos besoins spirituels, lorsque nous cherchons à être négligés, oublier notre nature spirituelle, nous purement et simplement mettez charrette devant bœuf. Si nous intéressons vraiment au royaume bon Dieu, après nous tout le bagage. Les clivelés que nous mettons d'abord, les choses concernant son royaume avant. Je l'ai dit. Non, l'autre partie, l'ancien sur la montagne, quand elle dit, selon Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toute l'autre bagarre va venir. En plus, le commentateur qui a réfléchi sur ce passage, il a dit, mais comment Jésus vous fait dire premièrement, ça lui a dit deuxièmement. N'importe nous-mêmes qui professeur de monde, qui a fait discours, bien nous-mêmes qui a présenté discours, moi-même, c'est un schéma que j'utilise, 1, 2, 3, 4. L'offre dit premièrement, tout le monde qui est censé attendre nous dit deuxièmement, attendre nous dit troisièmement, peut-être quatrièmement. Et monsieur que monde qui est dans l'église baptiste Adonai, qui tendait souvent, il est habitué avec formule de construction, c'est là, au premièrement, mandé en deuxièmement, et très souvent, en troisièmement. Mais Jésus-Christ dit premièrement, sans le pas mettre deuxièmement. Dans Jean 6, verset 27, il dit carrément, travaillez non pour la nourriture qui périt,
Je vous dis, c'est nous-mêmes qui pensons que ce n'est pas ça le David dit. Alors, nous commentons, nous disons probablement là, bon, seulement que rédacteur yo manqué, raté, puisque c'est bon Dieu créer travail. Probablement, la parole dit nous travailler non seulement pour la nourriture qui paye, mais en tout cas, texte qu'un pile nous gagne, ne pas trouver non seulement pour ça, parce que Jésus-Christ veut mettre la phase, l'accent sur l'essentiel. Travailler premièrement, tout deuxièmement, tout millièmement, il y a venu après, non, foule. Demain. Mais ça m'a besoin de dire, travailler premièrement. Intellectuel, il va chercher deuxièmement, il va chercher troisièmement, mon gars fait 10, il va chercher tout l'autre monde. Moi, je me dis, nous, petit bon Dieu, que mieux, travailler, chercher premièrement. Parce que je connais que dans premièrement, il y a tout l'autre bagage, cela qui. Lutte pour la vie spirituelle, cela qui mettait l'emphase dans la vie sur l'essentiel. Et lorsque nous cherchons premièrement le royaume de Dieu, eh bien, nous saisissons que même corbeau, ou bien même espèce de corbeau que bon Dieu était utilisé pour le délivrer, il est capable de voir pour nous, capable de susciter des veuves pour ouvrir pour nous-mêmes les portes. Alors, parce que Jésus-Christ dit, je suis le pain de vie. Puis mon enfant l'a fâché. Il dit, parole, c'est la dure, il y aura les coyots. Et 1 Jean 2, verset 19, il dit, quand pile mon gros s'en dans l'église, je dis, qui campe là, il n'y a pas de Jésus-Christ vraiment. On peut saisir si une parole fait ressortir. Alors Jésus-Christ a testé à poter au coulier. Et nous-mêmes, est-ce que nous allons aller tout? Et puis il a laissé ces belles paroles que nous récitons si souvent. Jean 6, verset 68, acquérions-nous, Seigneur. C'est vous-même qui avez les paroles de la vie éternelle. Je vous dis, on a dit les paroles de la compassion, les paroles de la délivrance, les paroles de la valorisation, paroles qui font moun vin moun. C'est vous-même qui avez. Oh, mon capote, ma soeur là, qui a besoin de comprendre que toute parole de résurrection, de réparation, de vie éternelle, de réconfort, de compassion, Jésus-Christ gagne tout. Ça fait soeur, au besoin d'hésiter tout. Nous devons attacher, être attaché à bon Dieu. Si vous déjà attaché à lui-même, si vous avez choisi Jésus-Christ, non seulement la vie éternelle et les grâces spirituelles qui attachent à la vie éternelle, mais vous avez des grâces matérielles tout, lorsque c'est plein bon Dieu pour vous-même, lorsque c'est surtout bagaille pâle que vous mettez en premier. Que vous même comme côté ma soeur, qui est couché en côté, qui pensait que c'est Santo qui est premier, c'est le pain qui est premier, c'est l'éducation de Timon qui est premier. Jésus-Christ dit, pour nous dire, soeur, pas le premier, ça premier, ça premier dans la vie, non? C'est au chef de royaume né et de gloire. Lorsque nous attachons à bon Dieu dans ce point-ci-là, lorsque nous comprenons que lui-même c'est tout pour nous, la paix, la joie, la vie, le réconfort, la porte qui ouvre toutes les serrures, le monde qui est capable. Valoriser nous, nos valeurs, mon qui est capable de réparer nous. Lorsque nous comprenons ça, que nous avons été attachés à lui-même, nous allons recevoir toutes les autres choses de surcroît. Travaillez donc, chers amis, non seulement pour la nourriture d'ici-bas, le pain, non seulement pour le précis d'ici-bas, pour les positions d'ici-bas, mais investir dans le royaume de Dieu. Cherchez premièrement ça qui a fait bon Dieu plaisir. Toutes les grâces spirituelles et temporelles de Dieu va tomber sur vous-même. Le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, nous disons tout merci pour attention nous à programme à soir. Nous voulons croire que bon Dieu te parle à cœur très clairement et avec un pile et conviction et que où tu es partagé, ou bien on pourra le faire coulière, partager parole aussi là, message ça. Avec des amis et parents, mais ça qui va aider au grandir tant sur le plan spirituel que sur le plan temporel. Pas oublier que nous avons abonné à la chaîne, ça, chaîne Adonai Baptist Church, et qu'on va encourager les amis pour faire de même. Lorsque vous faites ça, vous cliquez sur subscribe dans le téléphone ou bien sur le computer à côté sur YouTube, et bien vous avez une membre de chaîne que vous avez Adonai Baptist Church. Et ça bordeaux à tout autre programme qui passait déjà, même programme que nous avons fait pour nous répéter, pour nous préparer au gain, droit à eux-mêmes. Et on peut conduire plusieurs centaines d'amis ou de parents à la vie éternelle. On nous donc fait ça, chers amis. Et partagez avec l'autre monde, abonnez et engagez à abonner.
En attendant que nous rencontrions la semaine prochaine. Lundi semaine prochaine, c'est-à-dire mercredi prochain. Dans même l'heure ça, et ce même réseau, on souhaitait et priait que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, et à laquelle vous et nous sommes appelés, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonsoir.